Bonjour! C'est parfait. Merde, je regarde pas la bonne cam! Bonjour! Bonjour à vous, bien entendu! Bonsoir, bonsoir! Oula! Salut, on stream à 3! Bonjour, Kao! Comment vas-tu? On t'entend normalement un peu. Kaku, kaku! Le principe de Duo Live Event, c'est donc un week-end caritatif. Globalement, l'idée, c'est de faire une collecte de fonds pour aider les personnes qui souffrent de douleurs chroniques. La douleur chronique, donc, c'est toutes les douleurs qui, normalement, quand vous faites, je prends toujours cet exemple, mais quand tu te fais mal, bah, généralement, tu as des médicaments qui te servent à lutter contre cette douleur et pour guérir plus vite. Ouais. Sauf que le principe d'une douleur chronique, c'est que ça dure sur le long terme. Ouais. Et c'est très, 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 très vaste. Donc, l'objectif, c'est d'essayer de retrouver... Wow! Ouais. Wow! Je te laisse constater. Merci les hommes pour les 150 balles! Merci beaucoup! Du coup, Kao, tu veux me faire un tatouage de dinosaure? Par contre, tu mets vraiment dinosaure. Tu mets pas les noms dinosaures. Parce qu'elle a, elle a des tatouages, du coup, dans ses donation goals, elle va devoir faire des tatouages qui sont bons. Dans ses tatouages... Ouais. Bah évidemment, c'est marqué dinosaure, mais en fait, dedans, il y a Dimétrodon qui est pas du tout un dinosaure. Ouais, du coup, tu... Du coup, ça va pas du tout! Par contre, j'ai vraiment le sentiment qu'à chaque fois, il y a plein de photographes pour nous, en fait, oui. Vraiment, c'est... Est-ce que vous voulez que je fasse un sourire de... Putain, mais j'ai combien de voleurs ? Attendez, je peux faire deux têtes aussi, si vous voulez. Ouais, allez-y, je vous le... Regardez, est-ce que quand je suis concentré ou que j'arrive pas à trouver les problèmes sur les alertes ? Combien a été vendue la carte magique de l'anneau unique ? Ah, Post Malone. 2,8 millions. Oh putain, oh, précis. Pas bien du tout. On va 1,9 million. 1,9 million. Félicitations, c'est vous qui prenez, c'était 2 millions. Oh putain, wesh. En plus, c'était pour la vraie anecdote, elle avait dit 2 millions. Mais elle s'est dit derrière 1,9 million. Ah bon, c'est moi qui ai dit 2. Ah merde, c'est moi, pardon. Elle est mal gagnée. Rune tout. Finalement, peut-être pas en fait. Parce que, attends, si je l'ai. L'accordéon. C'est pas l'accordéon. Vas-y, la diarpe, elle a dit. Ah, t'as dit harpe, on est bon, accordéon, accordéon, alors c'est bon, vas-y. Cornemuse. Ouais. Ensuite, c'est... Alors, c'est les flûtes à bec. Ouais, c'est parfait, c'est flûte à bec. Et c'est une expression. Attention. Nager en eau trouble. Nager sous la pluie. Pour les ovnis. Brasser de l'air, brasser de l'air. Oh là là, mais... Magnifique. En expression, je suis chaud. Je suis trop chaud. C'est la brasse. Personnage. Un personnage. C'est parti. Obélix. Oui, monsieur. Un de vous, pierre, feuille, papier, ciseaux. Pierre, feuille, papier, ciseaux en une manche. Vous êtes à 26-26. Allez-y, go. Il a l'instinct, lui. Vas-y, Arcantor, vas-y. Jifumi. Top 20, Zilane. Top 20, Zilane. Et... Top 20, Zilane. Voilà, c'est ça, Arcantor. Bah... Excusez-moi de vous déranger. Ouais, bonjour. J'avais un donation goal qui était de faire des bracelets d'amitié. Ah oui, j'en ai entendu parler. Ils m'en ont tous parlé. Voilà, bah, du coup, bah, c'était, je suis là, ça y est, j'arrive. Qui était de faire des bracelets marqués avec Marqué Live 24. Et ok. Donc, du coup, j'en distribue à tout le monde. D'accord. C'est très gentil. Du coup, bah, c'est votre tour. Bah, c'est très gentil. Du coup, vous pouvez choisir entre vous deux lequel vous. Tu veux lequel ? Y a pas de soucis. Moi, je vais prendre celui-là. Le bleu. Voilà. Très joli, le bleu. Et voilà. Merci infiniment. Bah, merci beaucoup, c'est très gentil. Moi, je vais pouvoir l'offrir à ma douce et tendre. Tu sais qu'elle est, elle te regarde sûrement là pour le coup. Du coup, ça se trouve, elle est trop deck que j'ai pris le mauvais. C'est tous les serpents contre. En fait, mais le serpent, c'est pas une espèce, tu vois. Alors que l'hippopotame, c'est une espèce, tu ouais, vois. Ouais, en fait, c'est ce type de classement qui considère. C'est pour ça que je trouve que c'est un peu le truc poubelle. Attends. Un peu. Combien? Ah. 555 euros! Attends. Ah, allô? Est-ce que tu peux me mettre la une, s'il te plaît? La une? Oui. Alors, Malga, cette nouvelle classe. Sur Diablo 4. J'espère, hein. Ah, si tu veux dire le chasse-esprit? Oui. C'est pour ça? C'est une nouvelle classe. Hein. J'entends l'esprit. Oui. Elle est nouvelle, hein. Oui. Et le féticheur? Et le féticheur, bah lui. Lui, il est loin! Il est dans l'espace! Allô, le féticheur? Bonjour monsieur, un petit mot pour CNews, est-ce que vous kiffez Heroes of the Storm? Écoutez, tant sur la forme que sur le fond,
Je pense que avant tout, les Républicains ont besoin. Mais vous êtes Eric Ciotti. Vous êtes Eric Ciotti. Tu tiens un bon Eric Ciotti aussi, toi, dis donc. Non, mais en vrai, tu kiffes. Ah oui, moi j'aime bien. Tu sais que ça me régale de voir que tu as fond sur Heroes. Alors, bon, déjà, je te laisse te présenter, Arcantor, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, parce que potentiellement on ne te connaît pas. Eh bien, moi je m'appelle Arcantor, je suis un petit streamer multigaming. Alors, par contre, maintenant. On a fait les échanges, tout ça, tout ça. Maintenant, c'est la merde. As-tu prévu une difficulté de quiz pour Warcraft ? Alors oui, effectivement. C, B ou A ? Nous en avions parlé, en effet, et du coup, je vais tenter, je vais oser la difficulté A. Combien les trolls ont-ils de doigts en prenant en compte les deux mains ? Ça commence direct vénère. 8 ? Non, ce n'est pas 8. Ils n'ont pas 4 doigts à chaque main ? Non. Bah du coup 10 je suppose. Non, justement ils en ont ils pas ont 5. 3 doigts. 3 doigts exactement. Mais non. Donc ouais bah du coup 6. Okay. Exactement. Ils ont que 3 doigts. Mais attends, vraiment? Ouais. Par contre, un truc, et tu sais que moi-même j'avais jamais tiqué, les gnomes ont effectivement 8 doigts au total. Ah putain. C'est 4 doigts pour les gnomes et les gobelins d'ailleurs. Ils ont mais que 4 doigts. Ça me choque de fou. Cite-moi un seigneur démon de l'univers de Diablo. Bah Diablo. Oui, si tu as répondu Diablo, bravo. En connais-tu un autre? Oui, mais dans Heroes of the Storm, il y a des seigneurs démons. Oui, mais je... C'est pas grave, c'est pas grave. Cite-moi un type de monstre de l'univers de Diablo. Les vaches. Bah c'est en vrai, oui, ça marche, ça valide. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Malga. Malga que je devais vous présenter. C'est vrai que c'est pas très loin. Malga. C'est vrai que c'est pas loin. Moi, j'avais promis un truc en parlant de toi à mon chat. Ouais. J'aurais promis de te présenter à eux en faisant une imitation qui nous a fait un peu au début de ce week-end. Oula. Alors qu'hier, Malga est arrivé, a fait ça auprès de tous les groupes, tous les îlots, toutes les tables. Vous allez découvrir... Alors, bonjour à tous et à toutes. Chères citoyennes, j'ai un grand message depuis mon bureau à vous fournir. J'ai parlé avec mon ami Skok, R6... qui n'a plus le R6 de mémoire sur le compte Twitter. Toujours. Le principe, c'est que j'ai décidé de manière collégiale, c'est-à-dire seul, donc pour lutter contre l'extrême gauche depuis mon bureau, j'ai décidé encore une fois avec les Républicains, lui il était un peu trop large, de m'allier... Je fais Sandrine Rousseau qui arrive. Honte à vous. Oui. Honte à vous. Je ne l'avais... Vous ne méritez pas le nom qui est écrit sur la porte. Oui, c'est merci pour votre diatribe. Je ne l'avais pas reconnu. Je vais foncer sur le stream de KO. Hop, on va recevoir Malganir. Alors, on est avec notre bon Malganir qui a gentiment accepté faire vernir les pieds. Non, c'est celle-là. Il ouais. Y a ma maman dans le chat. Il y a ta maman? Ouais. Que je dise le gros et tout. Si t'inquiète, elle a l'habitude. En vrai, plutôt les mains. D'accord, les mains, très bien. Parce que les pieds, j'ai pas envie de les filmer. Vanessor m'a dit, je pue des pieds. Ouais. Et, mais tu sais, comme ça, sans préambule, sans tact, rien. Quoi, ouais. Et je lui ai dit, mais je suis en tongue. Il m'a dit, bah écoute, ça pue des pieds. Tu veux que je sente? Ah, je vais pas te... Pas grave, j'ai l'habitude. Bah, normalement... Dans ma famille, ils puent des pieds et on a l'habitude de dire, va te laver les pieds. Ceci n'est pas un dinosaure. Et ceci n'est pas un dinosaure non plus. Ceci est un reptile volant. Ceci est un reptile mammalien. C'est plus proche de nous que du dinosaure. C'est beau, hein. Oui, parce que je passe pour un gros beauf depuis tout à l'heure, mais... Non, mais t'as raison. Hein. J'essaye de montrer à ta mère que je suis pas non plus complètement un... Les dinosaures. Non, mais en plus... bah écoute, tu préfères quoi? Rouge ou une espèce de pseudo violet foncé? Franchement, le truc le plus payant, vas-y. Mais t'as des beaux ongles, hein. Vu que j'aille jusqu'en bas, du coup, on va croire que t'as un ongle cropé. Ouais, vas-y. Je suis un grand fan de Johnny. Oh non mais le rock après Johnny, c'est mort. Attends, il faut faire le tatouage. Attends. Mon modèle. Modèle sur Louis. C'est-à-dire. Bah comme tu sais. Ah oui. Si tu te décales. Attends. Tu vas pouvoir voir. Ouais. Ouais, de fou. Non mais tu vois Johnny. En vrai, c'est pas mal. J'espère que j'ai été sortable pour ta maman quand même. Oui, bah je pense que elle t'a déjà bloqué son... C'est pas mal l'atelier art plastique derrière quand même. Hein. Sympa.
On leur a demandé s'ils pouvaient faire des trucs derrière histoire d'occuper notre fond. Au départ, ils voulaient pas trop, puis on a insisté en mode bah, on a des viewers quand même qui aimeraient vous voir. Et ça se passe bien. Ah, Dalen, il a mis ses petites lunettes. Des dons. Des dons. Moi, je m'appelle Alice, je travaille pour Analgesia. Bonjour Alice. Je travaille pour Analgesia depuis que ça existe. D'accord. Donc en fait, la fondation a été créée en 2016 et avant, il y avait une association qui avait été créée en 2010 et moi je suis arrivée en 2010. Donc c'est à peu près l'historique. Et donc de formation, en fait, je vous fais la petite histoire. Moi, je suis pharmacien, j'ai travaillé dans l'industrie pendant 6 ans. Et puis, au bout de 6 ans, j'ai voulu quitter la région parisienne parce que Paris, c'est sympa, mais bon, voilà. Sauf que dans mon domaine, il y avait peu de choses. Et donc, j'ai cherché un petit peu ce qui pouvait se faire dans ce qui m'intéressait, moi. C'est-à-dire le développement dans le domaine de la neurologie, les neurosciences. D'accord. Et il y avait... Très spécifique. Très spécifique, ouais. 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 Parce que j'adorais ça, en fait. Le cerveau, c'est tellement compliqué que, voilà. Et... Notre otari, là. Dans la douleur chronique, en fait, ce qu'on a très fréquemment, c'est-à-dire que le signal d'alarme, ce qui a envoyé le signal d'alarme, c'est-à-dire la blessure, par exemple, ou la lésion, a disparu, ouais. Mais le signal reste allumé. La douleur reste persistante. Voilà. Ouais. Exactement, il y a ça, il y a des gens qu'on opère d'une hernie discale parce qu'ils avaient des problèmes de dos terribles, il n'y a plus de hernie, mais ils ont toujours mal. Et donc, il y a eu énormément d'études cliniques, donc des études chez des patients, pour essayer d'identifier quelles approches non médicamenteuses pouvaient être intéressantes. Et une des thérapies qui est les plus efficaces, c'est la thérapie d'acceptation et d'engagement. En fait, c'est une thérapie en plusieurs étapes où d'abord, on fait comprendre au patient qu'il doit accepter, mais pas être résigné. Oui, tout à fait. Et surtout, l'engagement, c'est de s'engager en disant « Ok, moi, j'ai de la douleur chronique, mais qu'est-ce que c'est que mes valeurs fondamentales ? À quoi ma vie tient ? Qu'est-ce qui ferait que dans ma vie quotidienne, qu'est-ce qui me manque le plus et qu'est-ce que je veux absolument retrouver, quelles sont mes valeurs? Et ensuite, c'est de cheminer vers ces valeurs. Ok, j'ai la douleur. Mais peut-être que, typiquement, voilà, un exemple qu'on a, c'est le papa qui avait l'habitude d'aller pêcher avec son fils. Il allait pêcher avec son fils, c'était un super moment, il ne peut plus pêcher parce qu'il ne peut pas rester assis au bord de l'étang pendant 2 heures. Et en fait, qu'est-ce qui lui manque le plus? C'est le fait d'aller pêcher ou c'est de passer un bon moment avec son fils? Ben, peut-être que ce n'est pas la pêche, mais peut-être qu'il peut passer un bon moment avec son fils sans être à la pêche. Voilà. Il pensait que c'était la pêche. Exactement, voilà. Il manque 10 euros pour passer à 2700. Je tiens à dire ça, voilà. N'hésitez pas, bien entendu. Si ça, je dis rien. Exactement, moi je propose. Merci énormément, Alice. Merci. Merci beaucoup. C'était super agréable. Et puis peut-être à l'année prochaine. Oui, bah, écoute, j'espère. Et c'est toujours important. Juste, dernière petite question. Si tu veux bien y répondre, hein, bien sûr. C'est à partir de combien de palier au niveau de la cagnotte globale que vous vous remboursez un événement comme ça pour vous montrer un peu, puisque c'est vous qui organisez normalement autour de entre 50 et 60 000 euros, donc c'est tout juste là c'est tout juste, ce serait bien qu'on monte encore un peu pour pouvoir financer des projets. Exactement, voilà. Donc vous avez entendu, c'est très important. Merci Alice, bien entendu, et n'hésitez pas à donner. Ouais, encore une fois, même Alice. Les petits dons ont une attention importance. À toi pour le casque aussi. Attendez, faut que je vous mette regardez la tête. Regardez, t'es en mode oh. Tu sais, il est en méditation, en hypnose, en hypnose. Ou tu sais, en robot. Ouais, clairement. Tu sais, un androïde. Est-ce que vous l'entendez? Ça va ? Ça va ! Tu sais que tes propres viewers me disaient que pour une fois tu étais enfin devant le PC, j'allais pouvoir te choper. Raté ! Parce que les... 60 000 euros ! Attends, ça pourrait être... Mais... En réalité virtuelle, tu as entendu combien on a gagné ou pas ? c'est pour être sûr, hein ? Parce que c'est quand même 60 000 balles ! Il a fait avec les doigts. Il est en mode robotique. J'aurais dû mettre la caméra. Eva était très expressive pour Dalen. Je crois vraiment que j'ai pété des micros et des tympans là. Il y a des gens, j'étais vraiment très près d'eux. Je pense que vraiment il y en a. J'étais peut-être un peu trop près. Faut que j'aille voir Malganir pour le quiz. Parce que Dalen est un joueur de WoW, pour ceux qui ne le savent pas. De toute façon, je vais le laisser se présenter. Mais c'est un joueur de World of Warcraft. Bonjour, vous êtes Magla ? Exactement, je suis Magla. Je savais.
Je suis Magla, Maglanir. Bonjour, bonjour le chat, bonjour Maglanir. Elle est là la cam. Bonjour la caméra. Il y a quelqu'un qui met des trucs sous les souris des gens en écrivant prank par Dalen. Tu t'es fait voir aussi? Ouais, mais j'ai eu un témoin oculaire qui m'a dit que c'était toi. Non mais qui a balancé ça? Attends, qui t'a dit ça? Parce que ça serait un indice sur qui vraiment fout le bordel. Je suis une sorte de journaliste et je ne peux pas révéler. Oh putain. Est-ce que tu connais comment s'appelle le père de Varian Vryn? Tu vois qui est Varian? Oui. Varian Vryn. Putain. Est-ce que tu as vu le film Warcraft? Oui, j'ai vu le film. Il est dedans, c'est le roi. Est-ce que Varian, c'est le père d'Anduin d'ailleurs? Oui, exactement. Okay. Donc dans ce sens-là, j'ai... Alors, peut-être un indice, mais c'est quand même technique, donc tu l'as peut-être pas. Okay. C'est le deuxième prénom d'Anduin. Il s'appelle Anduin ou Anduin quelque chose. Ok, si. Vryn. Si. Les voies, l'endroit où tu vas sur les MOBA, ça s'appelle comment? Dans la jungle, dans les lanes. Les lanes, c'est la bonne réponse. Ouais, mais je le savais, c'est pour ça que je voulais faire le suspense. Non, c'est le roi lane. Le roi lane? Ah bah je lane, l'avais pas du tout, du tout, du tout. 2-L-A-N-E. Ok. Et il s'appelle Anduin Lane Vryn. Ok, bah je l'avais pas du tout, tu vois. Est-ce que tu peux me donner le nom de la langue des humains dans Warcraft? La langue des humains? Ouais. C'est un nom? Oui. Ok. Et sache que ne cherche pas spécialement très très loin. T'as un indice? Oui. L'anglais, on dit que c'est une langue commune. Exactement, c'est le commun. Donc c'est la langue commune, c'est ça, exactement. Et ça, c'est le nom de la langue? Oui. Ok, d'accord. Commun. Est-ce que tu peux me citer un seigneur démon de l'univers de Diablo? Baal. C'est une excellente réponse. Enchaîne, mec. Je suis là pour. Est-ce que tu peux me donner un type de monstre de l'univers de Diablo? Un type de monstre? Démon. C'est le premier qui nous dit les démons. Ils vont tous chercher. Il y a Arcanton, il nous a dit les vaches. Parce que le niveau des vaches. Tout les squelettes, c'est la troisième. Mais il a dit les squelettes. Eh bien, félicitations. Et bah, c'était Alain. Trop cool en vrai. Ouais. C'était vachement fun. Merci. Je vais aller tuer mon sorcier en l'honneur de ce quiz. Ah non. Non, pas de rite satanique. Tu vas gagner. Oui, ah oui, merde. Tu vas gagner. Évidemment. Viens voir Malga. Allons voir Malganir. Bonjour Malganir, présentation qui vous êtes. Un sexe, pas la taille s'il vous plaît. Et on voit un peu ce que ça donne. Bonjour. Alors, mets pas le micro trop proche, ça met ce micro d'ambiance. Donc. Voilà, tu peux vraiment le laisser assez loin de ton micro, t'inquiète pas. Bonjour, je suis actuellement très intimidé par les caméras et les personnes m'entourant avec des sourires carnassiers. J'essaye actuellement de... Je suis un peu le fossoyeur des jeux ici. Je joue Heroes of the Storm. Très bon jeu, il est gratuit, n'hésitez pas. D'accord. Et il faut que je dise quoi? Ce que tu veux. C'est le moment. Eh bien, tu as un mois à faire passer, c'est maintenant. Eh bien, c'est un réel plaisir chaque année de revenir pour le live et de voir Romain Jacques, de pouvoir crier et m'égosiller la voix en disant « Romain Jacques !» Vous voyez, je l'ai plus trop. Et sinon, c'est toujours un plaisir de voir les copains. Là, je les initie à Heroes. Ils m'initient à d'autres jeux. Je dois aller jouer à Star Citizen pour un âge réminiscent parce que c'est une secte. C'est voilà. Un peu une sexe, Star Citizen. Ouais, c'est clairement une sexe, justement pas mal gars. Il va me tuer quand il va voir ça. Jean Terada, j'adore ce que tu fais. Salut Terada, il nous a fait manger de la merde tout à l'heure, donc ouais, en vrai, là, on peut lui dire ce qu'on veut. D'accord, et ben moi je vais manger de la merde après, dans le cockpit. T'as reconnu ou pas? Attends, regarde. Hey, allez, viens, on dit. Vous l'avez pas? Non, moi je l'ai pas, c'est quoi? C'est la marche impériale de Star Wars. François Hollande qui a donné 15 euros. Yeah. C'est 5 000 euros. 5 000 euros. Je peux me lever? Non mec, j'en sais. Je peux aller dessus? Ah là là, franchement nous on a vraiment un super setup. Oh là là, incroyable. Le fond est incroyable, je ramène ça là. Ouais, chez toi. Je ramène ça chez moi. Voilà. Encore. Ah oh oui, j'ai... encore. Ha 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 ha!